Salut à tous, c'est Tranquille, on se retrouve à nouveau dans Darksiders Genesis. Et il faut qu'on aille parler à qui? À Vulgrimu? Il est où d'ailleurs? C'est pas Vulgrim, c'est Samael. Ah, il est en haut? Ah, c'est donc à lui qu'appartient cet antre. Ça se tente, non? Yes. Samael donc. Ah, c'était pas une forge, c'était juste un trône. Bah d'accord. Dans son trésor, nous avons trouvé les reliques volées à Eden. Lucifer a dû trouver un moyen d'y entrer. C'est tout blanc. Comme vous le savez, Eden a été condamné après l'invasion des Infinis. De puissants artefacts existent encore ici sans ordre. Mais ils sont restés inaccessibles. Peut-être jusqu'à présent. Je vais devoir chercher d'autres informations. Si Lucifer a trouvé un moyen d'entrer dans Eden, l'œil clairvoyant me révélera comment il y est parvenu. On a trouvé cette carte. C'est Grimouillage, pour dire quelque chose pour toi. Intéressant. Il semble comme un homme possédé d'une autre chambre forte, plus grande et encore mieux dissimulée. Ces Grimouillages nous ont révélé son emplacement. Nous allons arracher la vérité aux lèvres de Mammon. Et nous allons lui montrer le prix à payer pour avoir comploté avec Lucifer. Chevalier, vous croyez impressionnant, mais vous avez tous les deux d'autres choses à offrir. Bien d'autres choses. Un discours de motivation. Attends, je vais chercher un cocktail. Le conseil ne vous a pas apporté pour pouvoir, mais il est limité. Je peux supprimer ses limites jusqu'à un certain point. Mais vous devez le sentir en vous-même, vous aussi. Vous êtes lié à votre bassin et à votre culpabilité. Cela donne un conseil à moyen de vous retenir, d'étouffer ce qui brûle en vous, le chaos, la rage intérieure. Je plaisantais. Qu'est-ce que tu as fait? Ressentez de la douleur. Toutefois, ce n'est pas moi qui voulais afficher. Explique-toi! J'ai simplement ouvert la porte qui mène à votre profit intérieur, votre honneur, votre colère, votre pouvoir. Vous le ressentez et vous pouvez donc l'utiliser correctement. Comment? Vous ne saurez rien ainsi. À mesure que votre rage grandira, vous pourrez révéler votre potentiel. Et vous aurez besoin de ce potentiel pour vaincre Mammon et les autres maîtres qui vous attendent. Bordel! Pourquoi est-ce que je ressens une soudaine envie de tuer tout ce que je vois? Je suis sûr que le conseil sera ravi. Bah d'accord. Forme anarchie. Discord se transforme dans sa forme ultime et bénéficie de quelques instants d'invincibilité et de destruction massive. Nécessite une jauge de chaos remplie, ok. Et la forme de chaos, guerre se transforme dans sa forme ultime et bénéficie de quelques instants, oui d'accord. Trop bien. Ah! On va enfin voir la forme, du coup c'est la forme de... d'anarchie. Ouf. Alors par contre, la mise en page. Ok. L1, R2. Ah bah c'est pas, c'est pratique ça. Eh bah salut. C'est parti. Oh, direct. Eh, en plus, c'est 20 mimiques. C'est possible d'avoir les deux, donc. Ça me rassure énormément, c'est pas vrai.
Lucifer m'a promis qu'il m'arriverait rien. Il m'a dit que je serais protégé. Il a promis. Prenez-le. Prenez tout. Nous sommes les exécuteurs du conseil. Tu crois vraiment pouvoir nous acheter avec ces pathétiques... Bien joué. T'as failli me faire peur. Frère, attends! Nous aurions pu l'interroger. Oh, c'est pas faux. Hé, regarde, il est vivant. Heureux? Il a promis! On paraît combien qu'il est beaucoup plus imposant que ce qu'on croit. Ouf! Un vrai combat. Je vais vraiment aimer ce combat. Mais il jajote. Désolé. Ah, la jauge n'est pas remplie. Ok, ça c'est fait. Putain, il est...
truc ? Contre-toi sur ma bonne. Ok. Chaud. Il s'est fait mal tout seul. Attends. Je vous jure, il s'est fait mal tout seul. Qu'est-ce qu'il y a, Mammon ? Plus de tour de passe-passe ? Que manigance, Lucifer. Commence à parler, petit fumier, et on épargnera peut-être ta misérable vie. Lucifer m'a montré des trésors bien plus immenses que tout ce qui existe en ce monde. Vos menaces sont ainsi. J'imagine qu'il avait pas envie de parler. Tant pis. Tu ne l'aurais pas épargné, quoi qu'il arrive. Ouais. Je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Laisse-le. Samael connaît cet endroit maintenant. Il y a probablement de quoi reconstruire son armée 10 fois ici. Et on va simplement le laisser faire ? Très bien, d'accord. Allons-y. Mais j'en porte un souvenir. Ok. Mammon accorde 2% d'ordre de santé de... Oh. 2 secondes. Ça c'est bien, on peut le mettre où Mammon? Créature mineure, ah ça c'est chiant ça. En vrai ça on peut l'enlever. Ça aussi hein. J'essaie de trouver comment je pourrais m'arranger. Bon, on se casse. C'est ce que je vous dise. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors, ma maman est-il ? Vous avez fait du bon travail, cavalier. Nous ne sommes pas des exécuteurs. La mort de ma bonne était inévitable. Ouais, toi, glisser. Le démon nous a affrontés avec des armes volées à Eden. Nos soupçons sont confirmés. Lucifer s'est rendu. Maman est vivant. Je ne peux nier que la colère de son destin tragique m'a donné beaucoup.
venait de moi de vous remercier. Le Grim a continué à suivre la trace à quoi doit se faire. Il semble qu'il ait rendu visible un maître. Donne-nous son nom. Notre avoir m'entend bientôt. Tu semblais insigné, mais n'es pas fait pleurer. On s'est déjà salué les mains. Inutile de les laver la main. Quelle parole mémorable. Le nouvel allié de Lucifer est Belial, le corrupteur. Il est difficile d'accéder à son royaume, mais adressé à vous, Grim. Il connaît sûrement mon moyen. Je me demande ce que ça va nous coûter cette fois. Eh ben d'accord. Par contre, j'ai des... J'ai du stuff. Enfin, j'ai de la monnaie. Il y a rien mangé croquette. Vous l'entendez peut-être pas, mais si vous l'entendez, bah voilà. Jackie. Enfin, vous voilà. J'ai repéré tous les chemins permettant d'accéder au royaume de Belial. Cependant, j'ai encore un service à vous demander. Quelle surprise! De quoi est-ce que tu as besoin maintenant? Dites-moi, cavalier, avez-vous entendu parler de la reine? Tu parles de ce coin de l'enfer où des types se battent pratiquement jusqu'à la mort et endurent des souffrances indicibles pour peut-être en réchapper avec leur vie et un prix. Oui. J'y suis jamais allé. On dirait vraiment mon genre d'enfant. Il semble que les maîtres de la reine ont trouvé un talisman rare qui me permettra de trouver plus rapidement les chemins dont j'ai besoin. Ignorant trop de son vrai pouvoir, ces imbéciles l'offrent en récompense. Apportez-moi le talisman et je veillerai à ce que vous puissiez voyager jusqu'au royaume de Belial. Ça pourrait être marrant. Pour une fois, nous sommes d'accord. Mais à quoi? Eh ben la reine. Oh, ça plairait à Minotaurès. Lui qui adore les arènes. Non, rien à voir avec la corrida. Dix ou Vix, je sais plus. Oh, y a quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Oui, de l'histoire. On s'en fout. Nick. Dix. Décération niveau 2. Queue de scorpion. Certes, plutôt acheter du stuff. Pardon. Plutôt mourir. Plus intéressant. Tout qui se balade en bas là. Il décédait deux fois de façon différente sur la même stèle. Ok, trop galère. Franchement, trop galère. Oui, il y a du bruit parce qu'il est 20h, d'accord. Okay. Tant d'âmes, si peu de marchandises. Pardon, il y a les teubés vers chez moi qui applaudit à 20h.
le confinement, tout ça. Oui, faisons affaire. Je crois que j'ai assez pour prendre encore un éclat de chaque. Encore quelques âmes de délicieuses, délicieuses âmes. Allons-y. La reine est maintenant disponible depuis l'onde des serpents. Ok. 10 vagues d'ennemis difficiles. Votre score dépend de la performance. Ok, d'accord. Ah, c'est comme ça qu'on chope les créatures. Ok. De la reine, ouais. D'accord. On va commencer par ça, on va tester. Hein. S'il faut farmer, on farmera. Enfin, je farmerai. Ah non, c'était ça et ça. On se calme. Ah.
Ok. Prendre un peu guerre. D'accord. Je suis ok hein. Assez loin, c'est un peu bugué mais ok. Et ben voilà. Huit cent trente PA. C'est correct. Ouf. Les récompenses. Les clés c'est 3500. Ah donc en faisant ça, ouais, on se... Oh, les armures abyssales. Ok, allons voir 10. Putain, mais ça me reset mon ma transformation en cavalier, c'est nul. Oh, pas mal, cavalier. J'ai entendu dire que vous aviez fait du ménage dans l'arène.
Oui, alors oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est mon genre de loisir. Notre genre de loisir. Je vous aime bien deux. Ah, le talisman. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Il ne fait rien. Mais il appartenait autrefois à Bélial, et il est toujours empreint de sa lenteur, pour ainsi dire. Il m'aidera à suivre ses pas maladroits dans le néant. Plus vite il mourra, plus vite on pourra s'intéresser à la prochaine cible. Je ne peux pas te parler jusqu'à sa porte, cavalier. Seulement jusqu'à ce qu'elle mène. Bélial n'a pas de domaine. Comment est-ce possible ? Il en possède un maintenant. Considère cela comme l'un des présents de Lucifer. Un cadeau destiné à satisfaire son immense faim. Samael en sait plus que moi à ce propos. Allez lui parler pendant que je vous ouvre le chemin. Ah. Bélial n'est toujours pas capable de se défendre tout seul. Toujours est-il qu'entouré de ces rôdeurs, Bélial sera remarquable. Vous devez trouver un moyen de les éliminer, afin qu'ils ne puissent pas les arrêter lorsque leur moment sera venu. Trouver un moyen. Pourquoi ne pas simplement les éliminer ? Les rôdeurs font de savoir parfois tête, liés par une force invisible. Affronter le plus grand des trois est une entreprise difficile. Je vous suggère de lever ou ni sa force avant de l'affronter. Et l'arme doit créer Bélial. L'œil clairvoyant permettra de travailler dans la grande avantage pendant que vous anéantissez les rôdeurs cerveaux. Lorsque vous reviendrez, si vous revenez, nous nous occuperons d'elle. Si. Bah super. Ça donne envie hein. C'est ironique. J'espère que vous avez quelques bonnes options. Ok. Aujourd'hui, les rôdeurs sépulcraux meurent. Rien ne se dressera sur notre chemin. Je me fous de savoir comment on va faire. Faisons-le, c'est tout. Ok. C'est très beau. Encore une fois. Thank you.
Goul ou la goul, hein, ça dépend la saison des pics sur le dos. Marécage. Oui, la verne tout à l'heure, je l'ai pas eu. C'est comme les. Comment ça s'appelle ? Les scarabées dans Dark Souls ? C'est pas les scarabées d'ailleurs. Comment il s'appelle ? C'est comme mob. Ok. C'est des lézards, c'est pas des scarabées. De beau ici. Encore des trésors. Toujours plus. Évidemment. Alors on n'est pas invincible quand on ouvre les coffres. On se calme. Sur la squelette sick. Bien sûr. Yeah.
archer squelettique. Ils ont un bandeau sur l'œil. Je vais pas les juger, mais ils ont un bandeau sur l'œil. On est pirates. J'ai tout eu ici, non? J'aime... Ah oui, d'accord, ok. Failli tomber, hein. Pour Discord en plus, bah parfait. Ah c'est bon, c'est vide. Tout à l'heure il y avait un serpent, hein. je l'ai pas rêvé. Je l'ai pas eu. Je ne l'aurais plus. Comme Captain America. De beau par ici, caisse. Où je suis en vrai. Le tombeau du joueur du grenier, je peux pas y aller, ok. Bon, on va d'abord aller là. Hein. Décède, toi aussi. Ah.
peu de soin. Ça a l'air super sympa ici. À sublimer cette ambiance de terreur et de corruption infinie. Tous ces tas d'eau sans âme qui obéissent aveuglément aux ordres d'un gros tas d'immondices démoniaques et veulent. Et donc ? On peut pas finir comme eux. Je sais qu'on a juré d'accomplir notre devoir, mais une partie de notre destin reste encore entre nos mains. Si tu continues à geindre, je risque de moi-même te transformer en tas d'ossements. Hé, hey, Guerre, c'était... une blague ? Ah non, c'était une menace. Tu as choisi ce destin, Discord. Pourquoi en douter, maintenant ? J'aime être une machine à tuer, surpuissante. Vraiment, j'adore ça, mais... Mais ce n'est pas pour ça que tu es devenu un cavalier, c'est ça ? C'est un avantage sympa, ça fait aucun doute. Tu resterais un tueur, même sans le conseil. Alors, qu'est-ce que tu attends de lui ? Oh, c'était profond, sa guerre. Je suis impressionné et un peu perturbé aussi. On peut parler de nos sentiments une autre fois ? Pas très bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Et si on s'arrêtait là ? Moi je dis on s'arrête là. À plus tard ?